Et puis l'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l'ONU, Omar Hilal, a souligné au Conseil de sécurité de l'ONU que le Maroc, en droite ligne des hautes orientations du roi Mohamed VI, a fait du développement de l'Afrique une priorité de sa politique étrangère, relevant que le Maroc reste fermement attaché au principe d'indivisibilité, de la sécurité et du développement dans le continent. S'exprimant lors d'un débat ouvert du Conseil de sécurité sur la mise en œuvre des politiques de développement pour faire taire les armes en Afrique, présidé jeudi par le chef de l'État du Mozambique, Philippe Nyusi, dont le pays assume la présidence tournante de cette instance onusienne, Omar Hilal a affirmé que les conflits en Afrique ont muté d'un schéma conventionnel vers l'implication de groupes terroristes et séparatistes menaçant l'intégrité territoriale des États, mais également la paix et la sécurité internationale.